quand on creuse un trou par terre et qu'on creuse assez profond. Sûrement quand on arrive au fond, qu'on voit de la lumière, on voit de la lumière. Quand on est à la lumière, qu'on a creusé un grand trou, le tas de terre et le caillou, qu'est-ce qu'on doit donc en faire? Qu'est-ce qu'on doit donc en faire? Une bosse à la planète sans un seul cheveu dessus, avec son grand chapeau pointu, la terre aura l'air bête, la terre aura l'air bête. Vous me direz pourquoi faire, vous me direz à quoi bon creuser sans chercher du charbon, de l'or bien. C'est trop pour ma pauvre tête de penser à tout cela, pourvu qu'un autre y pense pas. Danger pour la planète. Ça fait rien si on traverse, on doit voir des gens là-bas. Est-ce qu'on arrive la tête en bas? Ou est-ce que c'est l'inverse? Ou est-ce que c'est l'inverse? Autrement dit, je débouche sur le fond d'un océan. Est-ce que c'est un bain que je prends? Ou bien est-ce une douche? Ou bien est-ce une douche? Au fond du gouffre, on se jette, on doit tomber dans le ciel. C'est bien voler que ça s'appelle. Savoir où ça s'arrête, savoir où ça s'arrête. Vous me direz pourquoi faire un grand trou. Je vous réponds, quand j'ai besoin d'une chanson, je ferai sauter. C'est trop pour ma pauvre tête de penser à tout cela, pourvu qu'un autre y pense pas. La science n'est pas prête. Quand on creuse un trou par terre et qu'on creuse assez profond, est-ce que quand on arrive au fond, on est moins con qu'hier?